Ok, on se prépare à aller voir le gars avec la scie mécanique. Présentement, je suis ici. Fait que, c'est ça. On va aller voir ça. Un instant. Check. Oh, pas long. Je vais chercher ma scie, j'en reviens. Je vais chercher ma scie. Salut, ça va bien? Oui. On va dire Pierre. Tu dis, si tu l'avais acheté à un gars, c'est ta femme, ça? Oui. Ok. Tu disais que tu l'avais acheté à un gars, c'était une 2008, la scie. Ouais. Puis lui, il te l'a vendu comme une neuve, tu disais? Ben, elle avait pas de l'air d'avoir morflé plus que ça. Parce que là, avec une autre série, là, ça correspond, tout correspond. Puis c'est une 2008, la scie, comme moi, je l'ai acheté, là, je l'ai acheté, ben. Fait bien plus que 4 ans. Non, mais moi je l'ai acheté. Moi je l'ai Ok, eu. Tu l'as acheté? Oui, moi je l'ai acheté chez ADG. Et elle, c'est un modèle 2008. Moi je l'ai eu en 2009, début 2009. Ok. Puis moi je me l'ai fait voler en 2010. Parce que là, les rapports de police, tout est sorti. Puis là, ben, on a une photo des gars. Fait que là, je vais te montrer les gars si tu les connais. C'est ce gars-là que tu as vu. Ouais, puis on a ouais. Les voix aussi. Là. Fait que c'est ça, mais c'est vraiment, ça c'est, ça correspond avec très très bien. Avec un numéro de série, ça correspond. Oui, c'est exactement ça. Là. Et, ouais. Quand j'ai donné le numéro de série, puis il dit, c'est assis, c'était une 2008, puis il dit, les numéros de série correspondent, puis c'est une 2008, puis c'est exactement ça. Bon. Fait que puis après ça, ben là, j'ai vu le gars, ben lui, il dit qu'il ne sait pas c'est qui le gars. Ben oui, ça fait, hey, ça fait 4-5 ans. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est 2010. Un gars rencontré d'un bord. Ouais, c'est spécial. Il a de la misère, là. Un souvenir de ça, voilà. Mais le gars, lui, il t'a pas demandé d'échange à rien. Ben moi, je lui avais donné ma vieille. Ben ma vieille, elle avait une couple d'années, mais elle était plus petite que ça. OK. Je lui avais donné, je pense, 200-300 $, puis il avait ramassé mon eau. Puis lui, dans le fond, il t'avait donné cette assis-là. Puis ouais, il dit, moi, c'est bien trop pesant, ouais. Mais elle avait quasiment pas morflé. Je pense qu'il avait coupé un an à même pour l'essayer. C'est ça, puis le numéro de série, ça correspond à exactement avec ça. Puis là, ben, la chose des enquêteurs de la SQ, ça correspond aussi. Puis là, eux autres, c'est étonnant. Parce qu'ils te connaissent, là, en tout cas. Je sais pas. Ouais, la SQ, ouais. Ils savent ce qu'ils savent, là. Ben, moi, je savais pas ton nom, rien. Là. Je leur ai dit où est-ce que tu restais, puis tout ça. Puis ils sont allés voir dans le répertoire, là. Puis je sais pas pourquoi, mais je sais qu'ils te connaissaient. Puis là, ben, là. Je leur ai dit que là, je l'avais vu, que tu étais venu avec, mais tu disais que c'était un gars qui t'avait vendu. Fait que là, après ça. Mais là, eux autres, je ne sais pas ce qu'ils vont te poser comme question, mais. C'est bizarre que. Le gars, tu ne te souviens pas de lui pantoute. C'était-tu un bonhomme ou. Sûrement, ça, tu veux te souvenir, c'était un flow. Non, c'était pas un flow. C'était pas un flow. C'était un gars de, un petit peu plus vieux que moi, là. Dans ce temps-là, avec quoi? T'avais 5 ans de moins. 42 moins 4, j'avais 35. Ouais. Le bonhomme avait okay. 40. OK. Ça n'avait pas de l'air, c'était pas un flou. OK. C'était pas un flou. OK. Mais là. Mais c'est parce que j'essaie de penser à qui. Parce que ces photos, ce que je vois comme mais bonhomme. Mais c'est pas un flou. Ouais, non, parce que ces photos, c'est pas des flous. Manier des flous pour ceux qui veulent, quoi. Ah non, mais dans notre bout, là, le gars qui est venu, il était bien équipé. Ah ouais? Ouais, parce qu'on a un conteneur d'acier, puis il est tout soudé, par-dessus ressoudé, puis tu peux pas rentrer comme ça, là. Ça a pris des gars qui avaient de l'équipement. Ben, si je vois un peu sur une photo, je le reconnaîtrais, là. Ouais. Mais
De même, là, j'ai pas d'idée, là, de face pendant tout, moi, là. Non, là, c'est ça qu'il disait. T'avais des petites motos, t'avais des petites pièces des petites motos. Il était venu te voir l'autre jour, mais t'es pas là. Hein? Il y a un gars qui cherchait justement pour ça. Les... Ah, ok, ouais, je sais pas s'il y avait besoin de pièces. Ouais, mais ça, il avait besoin de pièces de petites motos. Mais des pièces rares. Ça ressemble à ça, là. Les petites motos de main, il y a deux petites motos, là, ça ressemble à ce que t'as là. Les ben, petites motos, puis là, il voulait avoir des pièces, puis c'est un gars qui te l'a envoyé ici, il dit, là, pas mal, il dit, d'après moi, il doit avoir ça, ces petites pièces-là. Ben, c'est ça, moi, j'ai beaucoup de pièces rares. Ben, c'est des ça, il faut que t'aies. Parce que moi, j'ai été jusqu'au bord des lignes américaines pour m'acheter, là. Des petits motos? Des lots de motos, là. Ah, ouais? Oui. Parce que les pièces qu'on a besoin ici, là, il y en a plus. Ouais, ben, c'est... C'est vieux, ça, c'est des années de... Ben, celle-là, c'est une 109. OK. Celle-là, c'est une 112. Et prêt? Bon, propre, hein? Ouais, ben, la rouge, je l'ai restaurée. OK. La jaune, je l'ai achetée telle qu'elle. Ah, ouais? Oui, l'ai achetée telle qu'elle. La jaune, ça, c'est une Honda aussi, non? Oui. Ah, ouais? Oui. Je l'ai achetée telle qu'elle, je l'ai roulée 3-4 ans. Puis là, au bout de 3-4 ans, là, j'étais rendu à 240 livres, j'avais de la misère à me traîner. Oui, ça. Ah oui, poignée 240 livres à un moment donné. C'est passé là, ta femme a fait trop de la bonne bouffe pour toi? Non, ma mère. J'étais chez ma mère dans ce temps-là. OK. Elle est sortie de l'hôpital, puis pour sortir de l'hôpital, elle est chez ma mère. OK. Elle avait brûlé. Ah, OK, ouais, quand t'as eu ton accident. Ben, ben rien que ça. Je pouvais rien faire à part manger. Fait que je mangeais. C'est clair. Fait que là, c'est petit que tu lèves un peu les voitures, puis. Ah oui. Tu fais un peu de mécanique. Pas de temps en temps. Ouais. C'est surtout pour moi. OK. C'est surtout pour moi, puis mes chums autour. Ouais, mais tu fais bien. Alors, t'es bien équipé pour ça, là. Parce que dans un garage, là, si tu vas au garage, des fois que t'as besoin, là, c'est cher, là. C'est bien sûr. Chris, as-tu le goût de faire peut-être garage avec les systèmes de zone? Ah, ben, on fait des petits portées. C'est un problème de garage, ça sert de salle aussi. Ben, c'est ça, parce que dans la maison, sinon, ça vient tout qu'un bordel. Là, là c'est chez vous, ça, c'est cette maison-là, ça t'appartient, c'est le site, hein. Ah, oh, oui. Puis le gars qui reste là, ouais, je le connais. Ouais, tu le connais, lui? Oui. C'est David. Ça, c'est un astuce vite. What? Ok. Ah, non, mais je le connais, là, mais je veux dire. Okay. Parce que je vais manger chez bébé, puis je le voyais. Ouais, ouais. Ah, ok. Il y a une belle grand-terre, mais c'est un crise de vite. Ah, ouais? C'est pas, je le connais pas personnellement, là. Tu me connais comme ça par les autres. C'en est un, ça, qui a essayé de me vendre des outils volés, ça. Ah, ouais? Il a essayé de me vendre des outils volés à un moment donné, là. Bon, okay. Après ton histoire à branle-cul, là. Ah. Mais ça lui, il a un permis de vanne, je pense. Ben c'est ça, il fait de la vanne. Il fait de la vanne, mais il fait que c'est tout le temps crissé dehors. Ouais, c'est ça que je pensais. Il voit du stock. Il m'arrivait avec toutes sortes d'outils, là. Il me sortait une histoire à prendre le cul, je tenais pas de bout. Puis là, à un moment donné, j'arrive, il m'arrive avec de quoi, puis là, ça avait l'air appréhensé, puis... Ça fait un bout qui est ici? Ouais, il est ici depuis que j'ai acheté. Mais c'est un gars tranquille, 100%, là, tu sais, il doit pas faire de bardeur, ben. Non, il fait pas de bardeur. Il n'y a pas de femme, je pense, hein? Il fait pas de bardeur, mais... Il reste tout de vite. Ah, OK. Mais là, c'est qu'il y a à la boîte de main. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas... Là, il dit, on fait des rénovations. Il dit, Chris, il dit, ils ont pris le haut, je sais pas trop, là. Bon, c'est leur maison, là, tu sais. Ben, c'est ça, ben, il y avait un autre logement à l'arrière, oui, okay. Là. Mais mon autre locataire, là, il était là, ça faisait... 22-23 ans qu'il était là. Il n'y avait jamais rien qui avait été fait dans ce foyer-là. Il n'avait même pas été peinturé. Tabarnak. C'est un taudis. Tu as décidé de fermer tout ça? Puis... Ben, c'est parce que moi, je voulais réparer. Mais là, lui, ça faisait pas son affaire. Ah, fait que c'est la seule façon, c'était de reprendre ta place. Oui. T'as bien fait. Parce que là, lui, il faisait la brinque toute la nuit. Mais là, le jour, il fallait pas le déranger. Oh, c'est pas facile, hein? Ben, je dors, moi, le jour. Ben, ça, il est arrivé des gars, à un moment donné, j'ai envoyé des gars poser des châssis puis des portes. J'étais en train de dormir, je reviendrai plus tard. C'est le fun d'avoir une maison, t'as pas le droit de rien faire dessus. Hey! Là, ben. Ok, t'es capable de balancer les rebords aussi? Oh oui. T'as pas remarqué une belle machine, hein? Faut. Ouais. T'as 5 cafés du Saint-Javier, toi? Ah! C'est tout trop cher, ça!
Ouais, hein, ouais, je l'ai fait un peu, puis j'ai fait une couple de semaines, puis j'ai dit, c'est correct, mes finances ne subiront pas, ils ne sont pas capables. J'ai été 17 ans, oui. J'ai été 17 ans sans avionner avec un petit truc. OK. Puis je me suis jamais dit brisé, là. Ouais. Moi, c'était rien que pour m'amuser un peu. Ouais, là. C'est ça. Ah non, pas autant que les autres, hein. Il y en a qui soignent en crise, là. Ben, c'est ça, mais là, hey. Ah, mais là, ils sautent des transmissions, sur n'importe quoi, puis ça continue. Ouais. T'as de l'argent. Ben, tu passes ton argent là. C'est bon, hein? Ah, il y en a encore là. Ah, pas d'allure. Les voisins, ils chialent pas. Ben, c'est carré, elle est quand même belle. Insonorisé. Insonorisé, puis elle met pas tout le temps, puis ça y dérange. Ah, oh. Je m'entends avec eux autres. Que... Ouais, mais non, t'as eu le monde, ils m'ont pas dit qu'ils étaient un gars bien dérangé dans le coin, et ils m'ont dit. Ben, ouais. Tranquille, d'habitude, on n'entend pas parler ce gars-là. Rassurer sans reste. C'est moi qui l'en ai à côté. Ah, mais là, à côté, c'est le coin, là. Ouais, elle a fait bizarre quand j'ai vu assis. Eh oui, il y en a une deux. Voilà. Celle-là, ici, c'est ouais. Ouais. La maison du bonhomme. La maison qui appartenait à. Ouais, à madame, là, qui est morte, là. Ouais. Toi, tu l'as racheté? Non. Moi, je rénove la maison pour Michel. Ah, OK. Il va aller rester là, lui, je pense. Ouais, Michel va venir rester. C'est ça, là. Il n'y a plus de logement là-dedans, il n'y a plus rien. Là. C'est fini. Là. C'est rendu une maison avec des escaliers intérieurs. Il n'y a plus d'escalier par dehors, il n'y aura plus rien. Là. Wow. Et on va être rénové à grandeur. Là. D'un bout à l'autre, là, on a relevé les planchers, on a tout relevé parce que là, ça. C'était. Voilà. Ça allait que tu avais tout loué, bien planché. Ouais, ben j'ai levé 12 pouces. 12 pouces? Ouais, au centre, 12 pouces, un pied. Tabarnak! Ben oui. C'est pas haut, les plafonds, il va faire comment? Ouais, les plafonds sont hauts. Oui, ça a plus que 8 pieds. On est à 8 pieds et 4 pouces. C'est parce que vous autres, si vous avez vu, là, c'est à cause que les planchers, j'étais déjà été, là, les planchers étaient soufflés de, ben, à peu près 6 pouces au centre. Fait que là, tu partais 6 pouces dans le centre, puis le plafond était archimé d'à peu près. Parce que là, tout a suivi, hein. Il s'était soufflé dans le ventre pour un mode douette. Ben oui, en plein dans mais ça avait rond. Non, mais moi, j'ai des gros jacks à l'air, puis tout, puis pfff, t'enlèves ça. Les autres, ils remettent du pesant là-dessus, puis il n'y avait rien qui tenait en dessous. Ah, rien. Bim en dessous au terrain de même, là. Mais là, tu peux pas tout. Je pouvais pas lever 12 pouces d'un coup parce que tout va péter. Fait que là, on a levé, puis là, ben là, elle est poupie. La mienne, moi, elle avait plus une surprise, moi, quand elle a eu mon toit. Hé, hey, Chris. Mon toit, t'es rond. Ouais, elle aussi. Mais moi, elle va regarder. Quand elle avait acheté, elle va regarder par la trappe, puis les draps, ça avait été pété. J'ai dit. Elle est ronde, ils l'ont pété ronde dessus. Ben là, tu montais dessus, puis Chris. Ça swing! Fait qu'à un moment donné, je me décide, puis je monte dans le toit. J'avais affaire à aller dans le toit. Fait que je vois dans le toit. Il avait vissé pète en haut, mais il n'était pas vissé en bas. Ah ben non. T'as vu? Tu faisais ça avec les pets. Ils n'étaient pas à côté. Et oui. Ils avaient vissé dans le haut, tu sais. T'arrivais ouais. dans le carreau, tu disais, ah Chris, ils ont pété les trous, c'est beau. t'as tout enfissé ça? Non, oui, tout a raflé. Ah ouais, t'as remis en eux. Les trosses, tout, j'ai tout arraché. J'ai recommencé, j'ai mis des trosses dessus. Ah, ok, tu t'es remis un vrai toit normal. Non, mais moi, c'était un toit en. Ah, il était le même aussi? Mais, arraché le bonnet, tu vas faire là, puis quand il a vu le tas des trosses, puis. Non! Arrache-moi, c'est des trosses, on recommence. Que... Tu sais, tu t'attends rien qu'à mettre un papier, là? C'est ça. T'as un papier, puis ça finit, tu poses des trosses. Là. C'est dur sur le financement, hein? Hey, c'est-tu un 200X, ça? Non, c'est un Yamaha, ça? Ouais, Yamaha. Ouais, parce que là, il était blanc, donc ça me faisait penser au 200X, Honda. Ouais. L'autre, c'est un 185. Une BW200. BW200, 980. Puis le rouge, c'est un Honda. Ça, c'est un Honda. 185? Non, ça, là, c'est un 90cc. Ah, le 90, ah ouais? C'était les premiers qu'ils ont fait. C'est un 90cc, 1975. C'est pas pire ça? Les ailes t'as même pas de plastique dans ce temps-là, t'as un fil de verre. Le plastique t'es pas arrivé encore. Ah ouais? Il y avait un peu là, mais les grosses pièces de plastique là, ça n'existait pas encore. Tabarnak! Ça doit se vendre cher, c'est une moto là, hein? Ben j'ai fait des offres là, il y a des gars qui voulaient les avoir. Ah, mais t'es donneront sûrement ouais, pas. Ouais, mais ils veulent pas payer. Ouais, c'est ça, là. Les gens qui s'attendent de payer ça. 500$. Ouais, tu vois, on va pas ça 500$, là. C'est propre, là. Hey, si tu trouves plus ça, ces petites motos de trail, là. Non, ça se trouve.
De toute façon, l'auto, ils ne te dérangent pas, s'ils sont là. Hein? Non, je vais aider mon sou pour les réparer pendant bien, bien longtemps. Parce que d'une avoir une quinzaine dans la cave. Et des Solex, et toutes sortes d'affaires dans la cave. Hey. Des... Mais là, ça veut dire que tu es capable de jouer dans les moteurs et tout, là. Tu connais ça un peu, là. Ah, mais ces vieux moteurs-là, là, ouais. C'est facile de jouer là-dedans. C'est pas comme aujourd'hui, hein. C'est facile de jouer là-dedans. Ah, ouais. Là. Ah, ouais, ouais. Il n'y a pas grand-chose. Non. J'ai... Un petit carburateur, puis du gaz. Le pire que j'ai vu, là, c'est une transmission, là. Il ben, faut que tu ouvres la transmission. Hein. Ouais. Il y a une guerre de pété, il y avait un chef. Là. Ça, c'est du sport. Dans ces machines-là? Dans ceux-là. Là. OK. Ils n'ont toutes que des transmissions. Ah ouais? Pour pouvoir rien que ça t'a fait longtemps. C'est bien fait. Ben, je nous verrai, j'avais l'air de la former. Il a fallu aller sur Internet. Voir comment ça marchait. Puis un gars qui montrait les points, a vu ce que ça rentrait. Parce que ça reforme pas n'importe comment, là. T'as toutes tes guises, ça y a telle place, puis là, t'as reformé ça, puis... C'est clair. Bon, ben c'est bien, fait que je vous dérangerai pas plus longtemps que ça, les amis, puis... ils vont bien venir faire un petit tour, je ne sais pas quand, ils vont venir te voir. Ah ouais, ils viendront. Je leur dirai ça, là, comment ça s'est passé, parce que là... Moi, je suis pas trop quand même me le demander, mais là, moi, je le sais. J'ai dit, tu iras le voir, là, il l'a. J'ai dit, je vais y laisser, puis j'ai dit, vous irez que j'en ai avec. Ben oui. Tu as des photos à me montrer? Oui. Oui, j'ai des photos, puis j'ai des vidéos. On les entend parler, les gars. Ah, tu les entends parler? Ah, oui, oui. Ben... Quand ils sont venus au chalet, là, c'est parce que là, ils étaient équipés pas mal. Mais c'est parce que là, ici, qui est arrivé, il y a une branche qui est allée en avant de la crise de la caméra. Fait qu'on n'est pas capable de voir les visages comme faux, c'est flou un peu. Mais on les entend parler. Fait que là, c'est... Mais là, c'est parce que là, c'était tout dans mes backups. Tu sais, j'avais gardé ça dans des backups des disques durs. Ouais, j'ai réussi à ressortir ça. Là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, c'est... ça y est, on va pogner le filon sur la caméra de la patente. Ça va avoir de la lue. » C'est sûr que si moi, je vois des faces, ça va m'aider en crise. Parce que moi, là, je me rappelle pas de sa face. J'ai aucune idée. Là. Ouais, mais peut-être que, tu sais, c'est flou un peu, mais c'est pas grave. Ça va peut-être te dire quelque non, chose. Non, mais ben, en voyant des faces, là, peut-être, ça va me dire de quoi, là, moi, là. Mais demain, tu me demanderais. Le gars qui était là hier, c'était ton chum, ça? Lequel? C'est lui qui était avec toi ici, là? Ouais, Timac. C'est Timac? Ouais. Tu l'appelles, OK. Ah, il est fin, lui. Ouais, non, il avait l'air bien sympathique, hein? Ouais, j'ai donné le boulot aussi, son ouais. Malin, il était bien content. Super. Bon, ben, c'est bien. Fait que je te remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, puis okay. Je suis désolé pour ce que ça a fait, là. Non, c'est pas grave, je peux avouer. Ben, on sait ça, mais c'est parce que là, tu sais, moi, je veux pas que t'aies de problème non plus avec ça, là. Ouais, mais moi, si je l'ai pris, j'étais sûr que je n'étais pas une civolée, là. Moi, ouais, ben, je leur ai dit ça, là, mais eux autres, ils ont dit qu'elle est... Alors, moi, j'ai dit, je veux pas qu'il y ait de trouble, le petit gars, là, tu sais, il a l'air bien sympathique, puis j'ai dit, il a pas l'air d'avoir rien à voir là-dedans, là. Non, mais... J'ai dit, ça n'a pas l'air d'un bandit pantoute, là. Il a sa maison, sa femme, puis il a l'air d'un gars bien. Ah, non, moi, je check mes affaires. C'est comme je te dis, gars, le Tobin, il essayait de m'avant de lui voler, puis... On ramasse pas ça, hein? Non. Hey, ça avait tellement été drôle, ce fois-là. Deux jours après, c'était fait de crisser dehors. Son boss arrive à ça. Il dit, tu rouvres le remis. Non, tu rouvres le remis. Pas le gros bord, arrête la peau. Ils sont là. Il est proche de même, lui. Hein? Il est vraiment en train quand même. Oh, oui. T'as pas peur à rien de tes affaires, toi? Ah, ok. Il est aussi bien à faire ça. Il a dû faire pas mal ici. Il est aussi bien à faire ça. Parce ben que... non, ça fait un bout de tes chips, tu t'es jamais, je pense, pour. Non, non, ben. Il paye bien. Il paye bien, là, mais il a eu des drôles d'aventures. Ouais. Oh, oui. Ouais. Nous autres aussi, on a des caméras. Que... Ah, non, il faut, là, parce que Calis, c'est pas drôle, là. Oui, c'est, là. Au début, là, quand j'ai acheté, là, c'était une place qui grouillait pas gros, hein. Puis c'était une vieille madame qui l'avait, puis ça grouillait pas bien, bien, là, il y avait un grand terrain d'arrière. Fait que quand j'ai acheté, oui, je me suis installé un peu, tu sais, un kit de pochure dehors, puis tu sais, il y avait un grand terrain. Et je laissais des affaires dehors, des machines, des laveuses à pression, ouais. Ben, tu laisses ça dehors. Ben, tabarnak, je me faisais voler mes caisses spéciaux, mes pèlerons. Ah oui, ben, les autres à côté aussi, ils sont fait voler. Mais ma laveuse de pression. Tout. Volait tout. Mais ça passe sans masse, c'est ça, mais tout. Ouais, c'est ça qu'elle. Mais elle qui reste en haut, ça a l'air que c'était toute qu'une wheel. C'est là, ben, dans le fond, sa sœur, ben, sa sœur, tu crois. Ça a l'air qu'elle bugle en tabarnak, elle était tout en train de bugler. Ah, elle veut te taguer, moi. Ouais, ben, elle haïssait tout le monde, ça a l'air. Ben, je sais pas, mais moi, elle veut te taguer. Ouais, tout le temps, t'avais, hey, Chris, t'étais pas comme moi avec moi, Chris.
Mais on ne sait pas pourquoi qu'elle était de même. Il est capoté de même et est timbré, qu'est-ce que tu veux? Essayez de me mettre chum avec plusieurs fois, puis ça. Il n'y avait rien à ça faire. Ça n'a rien fait, ça. Puis Tommy, ben lui, ben. Il est ouais, pas dérangeant, ben. Tommy, il vient me voir une fois de temps en temps. Moi? Arrêtes-tu ça, là? Ça me prend un appui de main. Oh! C'est bien ça! C'est bien lui! Je lui donne, ce pauvre gars. Ah, il donne la remise. Ouais, lui aussi, il est pas hein? Oh! Sûrement, là, tu sais, avec la vie qu'il fait, là, je me dis que ça ne doit pas. C'est sûr qu'il snap des affaires. Ouais. Tous les soirs, il arrive avec un. Ouais, avec un morceau nouveau! On ne sait pas c'est quoi. Non, mais ça, moi, je ne le connais pas depuis très longtemps, là, mais Michel, plus longtemps, mais lui, t'as mis, ben là, regarde, à la maison, il est parti. Moi, j'ai des outils à batterie, là, de Makita. J'ai des batteries 5 ampères, j'en ai perdu 3, puis une drill. Bon, du Seigneur. C'est pas toi qui est venu, là, tu sais, là, je suis bien, là, tu sais, non, mais c'est rien pour dire, tu sais, qu'il n'y a pas 50 personnes qui viennent à la maison, là, tu sais, puis il y a rien que moi, puis Michel touche pas ça, c'est un retraité de l'Alcan, tout le temps, ça, ces affaires-là, lui, tu sais, c'est respectueux, le monsieur, là, et puis l'autre qui est rentré, c'est lui qui est de main, là, comme tu faisais tantôt. Ben, on essaie de lui donner un petit coup de main, puis. Ben, c'est ça, là. Puis il donne un coup dans le dos. Il donne un coup dans le dos, mais tu sais, ça cause, il n'y a pas besoin de s'en hein, c'est brûlé, là. Les cellules sont brûlées, là. Vous croyez, madame? C'est ça, là. Je sais, je peux passer autrement, hein. Ah, c'est sûr. Fait que là, c'est ça. Fait que. Moi, ils vont me contacter sûrement, là, puis. Mais on doit avoir des nouvelles, là, de ça. Ben, c'est. Moi, en tout cas, je sais que je l'aurais bien dit que je voulais pas que t'aies de trouble moi, avec ça. Oui, veut pas. Moi, je suis pas à l'aise avec ça, puis. Ouais, ben là, je lui aurais dit, puis j'ai dit, lui, il veut pas aller non plus être accusé.